Constitution contestée, constitution critiquée, mais constitution prochainement adoptée. En effet, l'adoption de la loi fondamentale survole les débats et suit paisiblement son cours. À cet effet, une commission issue des deux chambres du Parlement se réunissait aujourd'hui afin de poser les structures de la séance parlementaire qui sera consacrée à la présentation puis au vote du projet de révision de la Constitution. Mais il y a une nouveauté instaurée par le président de la République. Les formations politiques présentes au Parlement peuvent intervenir. Elles auront 10 minutes de temps de parole. C'est une première pour répondre à ceux qui disent qu'il n'y a pas de débat. Une nouveauté qui ne convainc pas entièrement Ramdan Tazibt du Parti des Travailleurs. La position du Parti des Travailleurs quant à la révision de la Constitution a déjà été exprimée et nous maintenons notre position. Nous ne sommes pas d'accord sur la forme. Il n'y a eu aucun débat sur la scène politique ni aucune contribution du peuple qui a été exclue. Mais il est vrai que le contenu comporte certaines améliorations. N'étant pas soumis au suffrage universel, le projet de révision de la Constitution annonce bien la couleur de la démocratie qu'il a pour but de consolider.